un groupe de plusieurs étudiants de deuxième et troisième année de FELMA. Et suite à la vidéo publiée l'an dernier par une élève qui est actuellement en troisième année, par rapport aux violences sexuelles qui existent, qui peuvent exister surtout en soirée, on s'est dit que c'était une chose à continuer. Donc on voulait sensibiliser sur, d'une part, le harcèlement sexuel qui existe et toutes les violences sexistes, et d'autre part, la consommation excessive d'alcool en soirée. On a créé des affiches en prenant des gens de FELMA en photo pour que tout FELMA se sente concerné par des choses qui peuvent arriver en soirée et se disent que ça peut très bien arriver à leurs proches ou à eux-mêmes, et donc d'être attentif à ses comportements et être vigilant en soirée. Je me suis engagée parce que je trouve ça très important de garder à l'esprit que ces choses arrivent et peuvent nous arriver. Je voulais pas que ce genre de violence arrive à des proches. Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut combattre. C'est pas normal que en école d'ingénieur, après tant d'années d'études, on a un comportement très reprochable en soirée, donc faire en sorte de modifier ce comportement le plus possible, même si bien sûr ça concerne qu'une minorité des élèves. Si un étudiant est victime d'une agression, le mieux c'est d'en parler. Après, bien sûr, c'est quand même très difficile de parler, c'est un choc émotionnel important. C'est là où les témoins sont importants, donc s'ils sont présents, il faut agir, il faut empêcher le plus possible ce genre de choses. Et sinon, il faut en parler. Et ensuite, il y a également un numéro de téléphone mis en place pour ça, c'est le 3919 pour les violences faites aux femmes. Pour tout ce qui est addiction, là encore, les proches sont les éléments les plus importants. Quand on est addict à une substance, on s'en rend pas forcément compte. Donc c'est là que les proches peuvent mettre un signal d'alarme et dire attention, tu devrais faire attention à toi, à ta santé.